السلام عليكم بونجور تو موندي ايفريوان معكم السي محمد بكري على قناه محمد بكري ايكونومي الوغ مرحبا بكم جديد في لا نوفيل موديل ان شاء الله ديال اس 4 اس 2 اللي هو ماتيماتيك فينانسيير سامارش الوغ هذا فيديو اكزاكتومون بالنسبه للموجه بالنسبه اكزاكتومون بالنسبه للسيتيون ديال عند مسيو كبير وصالح لتو لي سيتيون لي les qui parlent mathématiques financières en général. Alors, on va commencer par une petite définition. Les mathématiques financières est une branche des mathématiques appliquées dont l'objectif est maîtriser les formules et d'acquérir les outils et les techniques pour résoudre des problèmes liés aux opérations financières. Donc, nous cadrons les opérations financières, soit l'investissement, placement, emprunte ou les intérêts simples, les intérêts composés, etc. Donc, où deuxième objectif, saisir le lien entre l'argent et le temps. Donc, la mathématique financière est une branche de mathématiques appliquées. Ça marche. C'est une petite définition. Alors, on va connaître notre plan de cours pour commencer à demander une chose. Notre plan de cours sera focalisé sur normalement 5 chapitres. Alors, le premier chapitre, je vais faire un petit rappel sur mathématiques financières. Chapitre 2, intérêt simple. Chapitre 3, intérêt composé. Chapitre 4, annuité. Chapitre 5, remboursement des emprunts. Donc, nous sommes au chapitre 1, rappel des mathématiques. Je vais faire un petit rappel, un simple rappel sur normalement les puissances, les fonctions logarithmes, notamment les périens, sur la fonction exponentielle. Et je vais faire un rappel exactement sur les suites arithmétiques et les suites géométriques les quatre chapitres inchallah. Ça marche. Les suites arithmétiques et les suites géométriques déjà quand on fait le bac alors nous sommes au chapitre 2 intérêt simple. Chapitre 1, intérêt composé, on est en remboursement. Ça, il faut le faire maintenant. Intérêt simple, quand on a les intérêts simples, on a les des opérations financières à court terme. On a le temps, donc, il faut que un an. Ça marche, qu'il faut que un. Donc, nous avons les intérêts composés, annuité, remboursement des emprunts, soit ordinaire ou obligataire. Les deux, ce sont les opérations financières à long terme. On a le temps, donc plus d'un an. Donc, on a RT, on a CT. Court terme, maintenant, long terme. Ça marche. Alors, la vidéo, on va connaître la définition du plan de cours. On va voir la vidéo G pour commencer notre premier chapitre, le rappel mathématique. Alors, je vais partager la vidéo à vos camarades pour que tout le monde se vienne sur la main. Assalamu alaikum.